Et bonjour tout le monde. Je vous dis bonjour, hein. Bah parce que malgré tout, on a le droit de le dire encore à 23h13. Donc bonjour, bonsoir pour les plus exigeants. Petit retour en stream de ma part. Assez tard et de manière assez impromptue. Voilà, j'avais envie de streamer un jeu un peu idiot, un peu bête, qui était Call of Duty Cold War. Enfin Black Ops Cold War. Et puis bah ça a planté, hein, ni plus ni moins, ça a planté. Donc voilà, donc on va changer les plans et comme vous avez pu voir, on va jouer désormais à Lonely Mountains Downhill. Ce petit jeu. Bonsoir tout le monde. On va jouer donc à un petit jeu de vélo. Ceux qui me connaissent savent que j'avais déjà streamé Descenders. Sur PC et donc on va jouer à ce petit jeu-là. Donc au niveau du son, on va couper la musique et on va basculer sur le son de la console. Vraiment, j'espère que vous entendez bien le jeu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Donc c'est un jeu, vous allez voir, qui n'est pas très beau. Et pourquoi c'est pas très beau? Parce qu'on y joue sur Switch. Et oui, un jeu qui est disponible donc sur Switch et PC. Je suis pas sûr que ce soit disponible d'ailleurs. Je vous avoue que j'ai pas fait trop de recherches parce que je l'ai pris sur la Switch, il était en promo et le jeu me tentait bien. Et donc en gros c'est un jeu où vous jouez donc un cycliste, un VTTiste plutôt même, qui donc fait des descentes et donc qui parcourt des pistes plus ou moins difficiles et plus ou moins dangereuses. Donc ça c'est le cœur du jeu. Et donc après bon, vous allez voir, on va lancer un peu, on va faire le tour un peu de tout ce qu'on a à faire là-dedans et on va regarder. Et plutôt que de se taper le bruit du vent assez désagréable, on va tout de suite lancer le jeu. Le stream va pas durer très longtemps, hein. C'est plutôt un petit retour. Excusez le bazar derrière moi, hein. Tout s'est fait de manière vraiment à l'improviste, mais voilà, c'est ça, ouais. C'est là aussi moi c'est marrant. Donc on commence la présentation rapide du jeu. Parce que vous allez voir qu'il est très cool. Et en plus, ça tombe bien que je joue à ce jeu-là finalement au lieu d'un bête FPS. Parce qu'en gros, je voulais en parler dans le prochain podcast de Minibar. Donc l'occasion est trop belle. On va regarder un peu comment c'est et puis on en parlera un peu plus longuement. En gros, vous jouez donc ce super cycliste que je n'ai pas personnalisé parce que la flemme. Donc il s'amuse à faire des descentes. Il y a 4 montagnes. Donc, moi j'ai déjà débloqué les 4 montagnes. Hein, donc, une un peu plus on va dire, vraiment montagne sommet avec tous les sapins et tout ça. Une montagne un peu plus automnale avec les cours d'eau, tout ça. La troisième montagne, c'est vraiment le désert. Vraiment les endroits un peu arides, un peu secs. Canyon, tout ça. Et la dernière, c'est la petite montagne exigeante. On a l'impression qu'on est à peu près dans la même chose que la première montagne, mais pas du tout. Hein, on a passé un level. Donc vous avez 4 montagnes et donc comme vous pouvez le voir, hein, vous avez les pistes débloquées, les défis réussis, les lieux de repos trouvés. Les pistes débloquées, c'est tout simple, on va aller à la première montagne, on va commencer en douceur. Les pistes débloquées, donc je baisse un peu le son du jeu, hein, si ça fait mal. Ces 4 pistes, donc là vous avez un peu le résumé, qui sont donc un départ, une arrivée. On arrive quasiment tout le temps au même endroit, si je dis pas de bêtises. Et donc vous voyez donc là la piste 2, la piste 3, chaque piste a un nom et chaque piste a des défis. Là je crois que comme vous pouvez le voir, on avait 32 défis à réaliser, j'en ai réalisé 17. Et quand vous arrivez au bout d'un certain niveau sur une piste, vous pouvez la jouer en mode nuit, donc avec juste la lampe sur le devant du vélo. Vous pouvez personnaliser le cycliste, vous avez un classement, vous avez des courses quotidiennes, vous pouvez, voilà, vous avez tout un truc. Donc là, si on regarde un peu la progression, j'ai débloqué 80% des pistes, hein, donc il m'en manque très très peu. Les tenues, bon, je m'attaque pas trop, les peintures non plus. J'ai débloqué un VTT, mais vous verrez, on peut débloquer des jetons et tout ça. Donc voilà, et puis après, il y a même des succès. Hein. Donc, clairement, c'est un jeu PC qui a été mis sur Switch. Donc voilà, je vous ai fait le gros du... Je vous ai fait le gros du jeu et puis on va commencer tout de suite avec la première piste, on va faire du basique. On va vraiment faire du basique pour vous compreniez un peu le concept parce que vous allez voir. Donc vous avez plein de VTT qui ont des caractéristiques différentes. Vous voyez, moi j'ai 8 pièces.
à droite. Et ce vélo là coûte 4 pièces. Donc pour l'instant je la joue un peu radin. J'économise mes pièces. On sait jamais. Peut-être qu'un jour je vais avoir un déclic et je voulais en prendre autre. Et vous voyez, chaque vélo a vraiment des habilités. Là on peut voir par exemple mon vélo principal est assez moyen en tout. Le truc c'est que par exemple il est très très faible absorption des chocs, et vous verrez que au moindre choc un petit peu violent, en fait mon vélo s'éclate et mon personnage s'écrase au sol. Donc voilà, après si vous avez des pistes qui vont être un peu plus brutales, un peu plus choc, un peu plus verticales, il est bon par exemple de basculer sur un vélo comme celui-là qui ira moins vite, hein, effectivement, mais qui va beaucoup adhérer, donc on va gagner. Certes on descendra moins vite, mais pour prendre des chemins escarpés, vous verrez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe après. Ben, on peut faire plein de choses. On va rester sur notre Grasshopper. Et donc là on a le petit chargement de la Switch pour aller sur la première piste. Et donc, comme je vous le disais, j'espère que le jeu n'est pas trop fort, je vais descendre un petit peu. Comme je vous disais, le jeu est sur Switch, donc il n'est pas excessivement beau, hein. on va pas se mentir. Hop, je passe un peu mon casque à moi. Et donc là, en gros, comment ça se joue? Tout simplement, vous accélérez avec la gâchette de droite, vous freinez avec la gâchette de gauche, et après, en termes de direction, il y a deux modes. Soit vous faites juste gauche-droite avec le cycliste, avec le VTTiste, je sais pas trop comment on dit. Mais du coup, quand il est face à vous, faut vous repérer que la gauche elle va aller à droite et que la droite va aller à gauche. Donc comme c'est un jeu où vous allez jouer un peu toutes les directions, hein, des fois il va descendre à droite, des fois il va descendre à gauche, des fois il va aller en face, des fois il va aller vers nous. Il y a l'autre mode de contrôle que j'ai choisi, qui est vraiment le contrôler vis-à-vis de là où il est. En fait, si je veux qu'il aille en haut à gauche, je vais en haut à gauche. Si je veux qu'il descende en bas à droite, je descends en bas à droite. Voilà. Et donc là je peux freiner, je peux faire des dérapages, il y a du vent. Et donc bah, si je rentre dans quelque chose, je peux tomber. Et si je fais B, mon cycliste, mon personnage tombe. Et donc on recommence, parce que c'est vraiment des pistes à checkpoint. Et donc tout l'enjeu va être de passer les différentes phases le plus rapidement possible. Donc on peut très bien, en fonction de l'objectif qu'on a, trois objectifs en général, quatre même. Le premier, quand vous découvrez une piste, il s'agit de la parcourir. Donc de passer les différents checkpoints pour arriver en bas. Et si vous tombez, vous recommencez au checkpoint et puis ainsi de suite. Le deuxième niveau, en fait, c'est de parcourir la piste sous un certain chrono. Et pareil, en fait, à chaque checkpoint, le chrono s'arrête, et tant que vous n'avez pas réussi à atteindre le checkpoint d'après, le chrono revient toujours. Donc en fait, vous pouvez commencer un peu à fouiller les différentes phases. Et ça, c'est très cool, parce que du coup, il y a un travail clairement de die and retry. On va pas se mentir, on fait un truc, si ça passe pas, on recommence, et on vient grappiller quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Le troisième niveau de difficulté, c'est temps de chute. Donc cette piste là, vous devez arriver au bout, excusez-moi pour le voir. Vous devez arriver au bout, on va jouer du coup, sans tomber, ou en tombant par exemple 3 fois, ou en tombant 12 fois, voilà. Comme vous pouvez voir, voilà. Et puis après il y a aussi parcourir toute la piste sans jamais tomber, ça c'est un peu le niveau extrême. Donc vous voyez là par exemple j'ai le chemin, et je peux très bien décider d'aller là, c'est du hors piste, et qui va simplement m'amener quelque part. Vous voyez, ça descend très très vite. Donc voilà. Ah bah voilà, j'allais pas assez vite. Donc c'est vraiment le principe du jeu, c'est vraiment de trouver les petits chemins par lesquels on peut passer et de découvrir un peu ce qui se fait ou pas. Donc là on est vraiment sur la première piste. Hein. Et là je suis trop vite. On va faire une descente de piste normale pour la première. Donc vous allez voir déjà que parfois ça va un peu vite. Et donc ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a un boost avec la touche A qui vient se recharger tout doucement. Donc il est en deux parties, hein, le boost. Je suis arrivé un peu vite. Incroyable, je crois que j'ai jamais fait ça. On va avoir un petit effet de notre vie inversée, on va voir. Donc vous avez un boost, je vais attendre d'avoir une ligne droite. Donc en accélération, vous voyez, le premier trait c'est une limite. En gros, si vous atteignez le trait qui est à peu près au quart de cette barre là, en gros vous pouvez donc vider toute la barre en restant appuyé. Mais dès que vous atteignez ce niveau là, si vous relâchez votre boost, tant qu'il n'est pas repassé au-dessus du quart, vous pouvez pas relancer votre boost. Là, j'appuie sur B. Donc voilà. Donc à bien gérer le boost, parce que forcément, si on arrive un peu vite dans un virage, et puis après vous avez plein de petits raccourcis comme celui le grand que j'ai pris tout à l'heure. Là vous en avez un, oui. Là, on peut très bien descendre dans le trou. Je vous montre l'écran comme si vous pouvez voir. Il y a vraiment plein de petites stratégies. Vous voyez, là il y avait un petit passage à gauche, et après ça va être à chacun de trouver le meilleur chemin. C'est vraiment très très très
très très difficile. Oh là. Il faut Bonaldi pas du tout inverser. Hein. Donc voilà, et après bon, vous circulez en fonction des pistes. C'est un jeu qui est assez exigeant. Vous voyez, un petit choc comme ça sur un niveau comme le mien là, c'est tout de suite une difficulté. Donc quand on veut atteindre des niveaux où par exemple on doit tomber le moins possible, bah, il est bon ton de prendre les vélos qu'on casse les coups. Parce que comme ça derrière, bam, bah, vous êtes tranquille. Donc là vraiment on est sur le mode découverte de la piste. Hein. Voilà, je viens de passer un checkpoint. Et puis voilà, donc là je prends pas la tête, il n'y a pas de devoir de vitesse, on est vraiment sur du repérage. L'idée c'est vraiment de trouver comment aller du point A au point B, au point C, au point D. Il y a des petits passages, puis il y a des plus gros, là on a après pu descendre par la pierre. C'est vraiment après... Là, vous voyez là, je peux certainement passer par là. Sans mettre une pierre. Il y a beaucoup de séquences comme ça. Donc, ah bah tiens. Donc là, après il faut jouer avec le frein et pas faire de trop gros chutes. Et puis là voilà, j'ai grillé tout un pan de la descente. Là, je commence à être vraiment gourmand. Et donc voilà. J'ai grillé tout un pan de la descente et donc c'est comme ça que je vais aller grappiller des secondes. Quand je vais voir la fin des temps. C'est vraiment l'idée, c'est d'atteindre un checkpoint le plus vite possible. Donc le jeu n'est pas très très beau et là encore on a de la chance, on n'a pas trop de flou. Il y aura certainement d'autres séquences tout à l'heure un peu plus compliquées pour la console. Hein. C'est une Switch, hein. Donc clairement il ne faut pas trop lui en demander. Je descends vraiment de manière trop dingue parce que on ira voir tout à l'heure sur la chaîne de piste un peu plus disputée, mais pour l'instant c'est vraiment de la découverte. Et donc vous voyez, bah, hop là, là je passe un checkpoint. Et quand je passe un checkpoint, je recharge mon boost. Donc si j'arrive au checkpoint à fond, je passe le checkpoint et mon boost est reparti à zéro. Donc ça c'est vraiment aussi un truc très important. Je pense que là-bas il y a une aire de repos. Ouais, on va essayer d'y aller. Oh là, j'appuie sur le B trop vite. Je pense que là-bas faut monter. La petite contrainte. Vous allez voir. Vous allez beaucoup me voir tomber et faire n'importe quoi. Parce que le jeu est très très exigeant. Allez, 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 allez. Oh là là. Ouais mais non. On n'ira pas là. Donc ça cette chute là des fois elle est. Rien que celle-ci, elle est une chute de l'as. La même fois que c'est mortel. Donc c'est un jeu qui est assez exigeant parce que du coup il laisse peu de chance à l'erreur sur des vélos comme le mien et du coup bah, quand il s'agit de descendre sans tomber. Une seule fois, et là, je peux vous dire qu'il y a des pistes qui sont assez compliquées. Alors là j'ai été joueur, vous voyez par exemple, voilà, là avec un vélo plus résistant, clairement ça aurait pu passer et j'aurais pu aller gratter un petit peu. Bon, on va essayer de descendre la piste jusqu'au bout, on va la jouer prudent parce que là on est vraiment en mode découverte. Donc, on va pas se prendre la tête. Moi pour l'instant c'est vrai que je le joue un peu à la basique, hein. Je vais pas chercher le meilleur temps, j'essaie juste de battre les objectifs. Donc ça pour info, hein, je l'ai déjà réussi, hein. On est vraiment sur du... Il y a zéro nouvelle. On peut vous montrer tous les environnements, on peut vous montrer tous les modes, vous montrer la nuit. Enfin, ça me permet de me faire un petit rappel pour le prochain podcast. Même si je suis loin d'avoir fini le jeu. Je passe beaucoup de temps dessus et du bon temps, étonnamment. Ouais, on voit un peu le raccourci en parcourant le vrai chemin. Mais parfois il faut aller fouiller de soi-même, il faut pas hésiter à prendre des risques à tomber. Donc, le boost peut aussi vous aider par exemple dans des trucs comme ça où on doit sauter au-dessus de certains petits ou grands précipices. On verra plus tard pour faire des trucs un peu. Disons que j'ai passé un peu de contrôle. Ça, c'est vraiment bien. C'est par là. Pareil, il suffit que vous soyez dans le bon temps et puis pour une raison X ou Y, vous avez oublié le chemin qu'il y avait à prendre. Et vous perdez quelques secondes et il faut tout reprendre, du coup faut recharger. Donc vraiment une difficulté. Et puis bah, si on roule pas sur la piste, on roule un peu moins vite aussi. Hein. Ça c'est. Voilà, on arrive à l'arrivée. Vous voyez par contre, la console pour économiser beaucoup de mémoire,
elle garde des gros flous, hein, donc c'est pas un bug du stream, c'est vraiment la Switch qui en mode télé garde des flous assez importants. Et donc là en fait quand on commence le jeu, on finit cette partie là et du coup cette piste est débloquée et on accède au défi débutant. On finit le défi débutant, on accède au défi expert et au... Je ne me rappelle plus le nom, on va regarder, mais à l'épreuve qui doit nous, sur laquelle on doit aller au bout. Libre comme l'air. Libre comme l'air, très clairement. Je n'ai plus de checkpoint et je ne dois pas tomber avant d'arriver jusqu'au bout. Donc voilà, donc là on était. On a peut-être fait le 3, voilà, les escaliers de roche. Ouais, c'est le troisième niveau. Et donc là en haut à droite, on voit que je l'ai terminé avec, chaque vélo a un sigle. Et donc je l'ai terminé qu'avec un seul vélo parce que j'en ai acheté qu'un. Donc pareil, si je veux recommencer, si je veux compléter le jeu à 100%, il va falloir que je finisse avec chaque vélo. Donc que je prenne le temps de débloquer chaque vélo et que je refasse toutes les pistes avec chaque vélo. Donc celle-là elle est un peu basique. Et on va surtout aller voir Redmore Peaks. Désolé pour l'accent un peu nul. Bon là vous voyez j'ai un peu moins saigné Redmore Peaks. Et là on va commencer avec... on n'a jamais fait la fête. Regardez, l'occasion est trop belle. J'ai tout de suite été sur la troisième montagne et j'ai jamais fait la piste 4, donc la falaise de sapin qui a l'air assez compliquée, assez ramassée par rapport aux autres. Vous voyez la troisième c'est vraiment une grande étendue, donc on traverse l'eau, hein, plusieurs reprises. La deuxième est assez étendue aussi et là on fait un grand tour. Mais la quatrième qui est la falaise de sapin est assez ramassée, effectivement j'ai l'impression qu'on va prendre des petits terrains escarpés. Donc on va faire le mode explorateur, qui est donc le parcours qu'on a fait sur la première montagne. On reste sur le grasshopper, je reste avec les couleurs moches, parce qu'au moins je le vois bien, quoique là dans l'automne je le vois moins bien, mais voilà, dans le vert ça passait mieux. Et donc on va essayer de faire le mode explorateur sur cette nouvelle montagne, pour voir un peu comment on se comporte en jeu. Parfois on s'y perd un peu avec les touches, parce que forcément les quatre, dans la direction comme ça c'est un peu compliqué, et puis quand on ne connaît pas, voilà. On n'a pas envie de tomber tout le temps. Et ça commence. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très cool. Que j'ai eu pour moins de 20€. Il était en promo en plus. Raison de plus. J'avais testé en stream Descenders. Qui, en plus des techniques de roguelite, roguelite, je ne saurais pas trop, pas que je connaisse pas la différence, mais sur Descender je me rappellerai plus trop si on améliorait ou pas. Mais si, parce qu'en fait on débloquait les pistes après. Quelle déception. Et donc là clairement, le jeu c'est clairement du parcours, alors que Descender c'est un côté, on doit passer un certain nombre d'épreuves, après on débloque des trucs. Il y a un boss, on débloque le boss, on bat un certain nombre de fois le boss, on peut accéder directement à l'épreuve d'après. C'était plus de sensations de vitesse, il y avait de la figure, il y avait tout ça. Et c'était une vue d'arrière beaucoup plus réaliste. Là, c'est vraiment. Moi, je trouve ça très beau au niveau de l'environnement, parce que clairement, il n'y a pas de quête de réalisme, mais c'est très très beau. Mais par contre, je pense que Descender c'était un peu plus poussé au niveau graphique. Et là, la Switch elle prend un peu cher avec les... Là, quand vous jouez en portable, tout ça c'est net. Et là, forcément, vous jouez un peu avec beaucoup. Pas que la console est trop, mais là, on a largement coupé le virage. Là, vous allez voir le boost qui va être récupéré. Ah ouais. Là, si je veux faire un truc sale, donc là, je peux pas y aller. Et donc après, il faut littéralement fouiller. Vraiment, c'est vraiment de la fouille et de la patience, et des fois vous allez trouver un petit tremplin qui va vous faire gagner un virage au-dessus du vide. C'est vraiment de la recherche, et parfois on va grappiller 3-4 secondes sur un checkpoint qui va vous permettre de débloquer un niveau d'exigence. Et voilà, il faut vraiment jouer avec patience, et il y a un petit côté exigeant. Ou des fois vous n'aurez pas tout le contrôle du vélo, hein, parce que voilà, parce que vous serez arrivé un peu vite, ou parce que celui-ci a l'air un peu moins, ou escarpé, hein. J'avais prévenu, hein, que ça allait être escarpé. Je ne m'attendais pas à ça. Là, on vient de voir qu'il y a une petite descente, il y avait un petit raccourci.
de choses. Voilà. Donc là, là si je veux, regardez, hop, je peux quitter quand je suis en mode exploration. Non, là, c'est pas existant. Ah, ok, d'accord. Voilà, descente. Donc, hop. Et voilà. Et après, en fonction de la vitesse à laquelle on va, on peut vite rappeler du temps. Le nom c'est pas le choc important donc après voilà le rapide temps c'est vraiment comme ça donc, j'ai senti que je prenais mal la baisse. Ah oui donc vraiment un tout petit peu comme ça je suis pas sûr que ce soit le jeu intéressant à faire un stream. Bon là c'est vraiment un petit stream rapide hein, parce que Call of Duty m'a planté mais hésiter à freiner, mais là je vais pouvoir juste freiner à gauche et couper. Ça fait. Oh, j'ai bien procédé. Vous savez quoi, on va aller voir le plus vrai chemin quand même pour voir à peu près ce qu'on gagne. Ça paraît pas. Ah, si, on gagne quand même vraiment pas mal. Là c'est un. Oh, là c'est un. Là c'est un tout petit truc, mais c'est vraiment pas mal. Ici là. La suite des fois a du mal à suivre. C'est marrant hein, parce que quand on voit certaines choses qui tournent sur la des troncs, ça c'est un peu chaud. On joue vraiment la prudence. On va pas se mentir parce qu'on est vraiment sur un mode explorateur donc on se prend pas la tête. Je disais c'est marrant, la suite sur des trucs un peu chauds et là non, elle galère des fois un petit peu parce qu'on lui demande un peu trop de paysage ou. C'est bizarre. C'est une console. Fantastique, mais qui montre quand même assez vite ses limitations. Alors, j'ai l'impression que mon chat décolle. Quand même, mes accès de chat décollent. Un peu chiant. Et ben on a réussi, donc bah on a l'exemple parfait de comment se déroule le jeu. Hein. Donc on revient au début de la montagne. La falaise du sapin, on a fini le mode explorateur. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et maintenant si je clique sur cette piste là, donc je vois tous mes checkpoints. Donc on peut rapidement voir si on a une phase un peu plus difficile ou pas. Quand on l'a fait en mode explorateur, c'est pas mal. Et en mode débutant, par exemple, il me demande de le faire en 2 minutes 10 ou moins. Mais pas 2 minutes 10 d'une traite, 2 minutes 10 en comptant le parcours de chaque checkpoint. Donc là, maintenant, il va falloir que j'optimise chaque partie. Si je bascule en expert, bon, on peut pas. Et du coup, le libre comme l'air, on le fera une fois qu'on aura terminé le débutant. Donc vraiment débutant. Et en le faisant, je débloque une pièce de VTT. Donc on est parti, on va essayer. Donc là, j'ai 8 pièces, je pourrais débloquer un vélo, mais je vous ai dit, je suis un petit peu en mode radin. Et donc, on va lancer le petit mode débutant. Donc, gâchette de droite pour accélérer, gâchette de gauche pour freiner et A sur switch pour. Et là vraiment, le début de la partie, c'est vraiment. Enfin, on va pas se mentir. C'est. Je regarde comment je peux gratter. Hop, allez, voilà. Je vais me gratter un petit truc. Ah ouais, non, là, il y a un truc à gratter. Un petit truc à gratter. Bon. Et puis quand on sent que ça passe pas, et ben on va fouiller ailleurs. Tombe pas. Ah bah j'ai planté mon vélo sur le caillou. Faut vraiment que j'atterrisse sur la pierre. Si ça passe pas, je passerai. Ne vous inquiétez pas, je vais pas ouvrir un coup. Et voilà.
ça c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver dans ce jeu là, c'est t'as une super phase et juste après ta super phase est complètement pulvérisée par un... soit par un manque de skill complet, soit... donc là faut vraiment que j'atterrisse sur la pierre. Et tout le principe du jeu là-dedans en fait, hein, c'est vraiment trouver la bonne... Si j'arrive pas sur la pierre, je m'éclate. Si j'arrive sur la pierre, je m'éclate pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir un joueur qui, qui s'entraîne à faire les meilleures phases. Bah non. Donc. Voilà. Ah, ça perd du temps bêtement. On est en mode débutant, donc normalement en 2 minutes 10 c'est de l'ordre du facilement accessible. Ça me demande que j'étais pas tombé. Je pense que j'ai fait des bonnes phases. J'ai pas pris de raccourci, mais ça empêche pas de faire des bonnes phases. Allez, on recommence. Vraiment un jeu où faut pas hésiter à se dire là c'est pas bon. On va aller jusqu'à l'arrivée pour voir un peu. Je roule vraiment pas bien du tout. Donc voilà, puis et bis repetita, hein, vraiment non-stop. Allez. J'arrive un peu moins vite. Alors on va doucement. On avait déjà vu tout à l'heure cette... On ne pouvait pas accélérer tout à l'heure. Là ça va plus loin, je ne sais pas ce que j'ai envie. Sur laquelle on s'est déjà un petit peu entré tout à l'heure. Donc du coup l'occasion est trop belle. Maintenant qu'on connaît un peu cette phase là, on va aller grappiller un max de temps ici. Avance. Hop. Non. Donc là en fait, non d'ailleurs on n'a pas parlé. En haut à gauche, j'ai mon temps sur la section. Je suis à la section 6. Je suis à la section 6 sur 7. Et là, une seconde 58. Donc, on a le meilleur temps sur la première, ce qu'on a déjà essayé. En haut à droite, j'ai mon temps général. 1 minute 12. Je suis à la section 6 sur 7. Donc, normalement, là, on est pas mal. Enfin, ça m'étonnerait que j'ai jamais pour 30 secondes chaque session. Et on se crache, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est tombé. Hormis dans la première partie, parce que dans à chaque fois la première partie, le chute ne compte pas. Elle ne compte qu'à partir du moment où on a passé le premier checkpoint. Donc, la première partie, on peut clairement se faire plaiser quand il arrive pour la fouiller, pour l'optimiser un max. Par contre, à partir de celle-ci, en mode expert, soit on se dit je vise le moins de crash possible et donc on est prudent, soit on se dit je vise le meilleur temps. À ce moment-là, moi j'ai fait des courses, j'étais tombé 78 fois, hein, franchement. Facile, donc vraiment après c'est vraiment à chacun de se positionner vis-à-vis de ça. Là on est vraiment sur du temps, parce que là on a du temps c'est vraiment fort en 2010, donc on va... Mais limite je vais montrer un peu, dedans, parce que j'ai envie de montrer quelques trucs, pas me coucher à 6h du mat. Ouais, mais... Dedans, mais... Et donc...
vraiment dans une découverte tranquille. Là, tu vois, ce jeu. Là, j'aurais largement pu. Largement pu. Je vais voir d'ailleurs. Et voilà. Et donc, vraiment, un jeu qu'il faut donner dans un chill, patient. Oh, ça aurait été trop beau. Un jeu, faut... Et, vous voyez, les temps de chargement pour la suite ne sont pas excessivement longs. Ça, c'est un raccourci un petit peu trop beau. Alors, j'essaie avec un vélo qui a fait dans les shops, voir s'il m'en passe mieux, parce que là, c'est vraiment un vélo où. Accélère un peu, il accélère un peu, il accélère bien. Donc, du coup, Ok. Très bien. Donc, ensuite, j'ai une petite rayon. 23 secondes. Ouais, vous voyez, c'est pas si. C'est pas si facile que ça. J'ai essayé de trop grappiller. D'accord, je tiens un truc. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher largement moins, 1,56. On va regarder vite fait les temps experts. Hein. On va passer à une autre montagne juste pour voir d'autres trucs, mais à mon avis, il y a moyen de grappiller. Il y a moyen de grappiller plus. Je pense qu'on peut descendre à 1,45. 1,45, 1,40 tranquillement. Je crois que j'ai pas vu des tonnes de raccourcis. J'en ai pris quelques-uns. Alors, on est toujours sur la deuxième montagne, Red Mow Peaks. Falaise de sapin, celui qu'on vient de réussir, et là on a débloqué libre comme l'air et expert. Je serais tenté de vous faire un libre comme l'air, mais pas sur celle-ci, elle est un peu tendue. Donc du coup une 50. Ah ouais, c'est ça que j'avais oublié de dire, c'est en gros là du coup 15 crash ou moins, 1 minute 50 ou moins, donc c'est pas mal. 1 minute 50, c'est, j'étais à 1,56, il y a certainement de moyens d'aller gratter. Ça me semble pas fou, mais par contre 2 minutes ou moins avec 7 crash ou moins, et ça c'est chaud, parce que là je sais pas combien j'ai fait de crash, mais j'ai fait largement plus que 7, hein. Donc c'est, faut vraiment la connaître par cœur et aller et connaître exactement là où accélérer, là où freiner. C'est vraiment le travail d'orfèvre. Et après libre comme l'air, récompense secrète. En général, je crois que c'est, il y a le mode nuit. Je crois que vous gagnez le mode nuit sur une course, hein. C'est comme ça qu'on le gagne. C'est en faisant du libre comme l'air. D'ailleurs, je crois que je les ai faites sur toutes les courses là. Voilà, là j'ai fait les libres comme l'air partout. Mais je suis pas chaud pour faire du libre comme l'air. On tentera un mode nuit quand même. Le Grand Canyon, ça, ce petit plaisir. Donc là, j'ai débloqué toutes les pistes. Vous voyez que je me suis plus éclaté là-dedans. Très dur, hein. Le Grand Canyon, très très chaud. Et donc je crois que ce point vert qu'on a ici sur cette course là, c'est un point de repos. Donc c'est à un moment donné, je suis parti, j'ai pris le virage à droite, virage à gauche, et là je suis sorti de la piste et j'ai eu un moment de repos. C'est un petit bonus à débloquer en plus. Et du coup votre joueur se pose et regarde un peu le décor. Et donc ça vous fait débloquer des petits trucs en plus. Et si on se tentait un libre comme l'air, on va se tenter ça, c'est quasiment sûr que j'y arriverai pas, mais bon. Donc libre comme l'air, il faut aller au bout sans tomber, tout simplement, et c'est très très dur, surtout sur la troisième montagne, c'est vraiment très chaud, et vous allez me voir certainement rager et me fâcher, et certainement ne pas réussir et quitter ça avant la fin, parce que je voulais montrer le menu aussi. Donc là, clairement, la prudence est de mise, et on va y aller très tranquillement. Là, très clairement, et vous voyez, là, c'est des pistes déjà un peu plus. J'espère qu'il y en a une. Hein. Il y en a une où vous avez le.
Vous voyez ça, ce flou, il est pas très agréable à l'installer, et c'est pour ça que ce jeu-là, il est... Ce jeu est peut-être parfois plus sympa en mode tablette. En mode portable. Donc, on a dit, hein, il faut pas tomber. Le temps, n'importe peu en fait. Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui sont en mode. Vraiment. Je l'avais dit, ça allait être triste. Je pense qu'il y a des gens qui se mettent des chronos de fou sur ce mode-là. Hein. Il faut connaître la piste parfois. Hein. Je suis en train de très très mal jouer. Pour info. On est parti. Je ne sais pas pourquoi j'accélère. Ça fait partie des petits tricks hein, qu'on peut faire en mode temps. C'est vraiment sauter au-dessus d'un précipice et aller un peu en virage. Je vais me prendre un arbre tout seul. Il y a un arbre. Ah non, ici. Je trouve que le vrai c'est pas avoir un petit pourcentage de rester quand même. Je crois que ce serait trop stressant d'arriver à la fin. On reconnaît un peu la fin, mais sur les pistes en général, vous voyez que il reste. Il reste pas. Donc là, pas hésiter à freiner. Je crois que j'approche de mon premier faux pas. Tellement au jeu sans musique, je suis incapable de me rappeler si c'est moi qui l'ai coupé ou s'il y en a pas. Moi j'aime bien, franchement la musique comme ça, le décor, ça manque peut-être de musique pour certains, mais moi je prends le pied fou. Juste le vent, les animaux, le bruit du. C'était là que j'étais tombé. Le bruit du vélo qui dérape. C'est un plaisir et du coup. Je trouve que ça aide à la concentration parce que là il y a clairement, à un moment donné, il y a clairement parfois le besoin de se poser et de se concentrer, de faire le vide, hein, de rentrer un peu dans la zone. Donc là très clairement, l'absence de musique, c'est quand même pratique. Je parle pas beaucoup, hein. Je suis désolé les amis, mais ce serait de... Oh, on arrive à la phase hyper. Ah là là. Il y a quand même des trucs un peu sympas en termes de décor. Là, passer au-dessus d'un précipice comme ça. C'est pas le coup. Ah là. Il y a un gros flou. Et je pense qu'il y a deux têtes. J'ai quasiment fait qu'en portable dans le jeu. De tête, il y a un gros flou aussi dans le portable. Je regrette si j'ai pris un raccourci dangereux. Des fois, on est attiré par le raccourci parce que vraiment, ça paraît limite plus sécure. Et on commence à attendre des niveaux assez bas comme d'habitude. Et c'est là qu'il faut clairement pas se relâcher. Bien là. Et ben voilà. Pardon. Hein. J'aurais pas dû douter de mon niveau de pilote. Et donc voilà. Donc là, j'ai débloqué le mode nuit pour cette piste. Et donc, je pourrais la faire en mode nuit. Et ce que je vous propose, c'est de la faire tout de suite en mode nuit pour voir un peu le différentiel. J'ai jamais fait de piste comme ça en mode nuit, mais ça va être chaud. Fait que la première montagne que sur laquelle j'ai débloqué de la nuit, et franchement c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et vous redébloquez je crois les mêmes défis hein. Mode nuit, un petit coup sur non c'est moi qui fais des bêtises, un petit coup sur la gâchette, et donc là on a mode nuit, très très beau décor. Et donc là, cyclisme de nuit, il suffit comme le mode explorateur d'aller d'un bout à l'autre de la map tout simplement pour aller débloquer donc après les modes débutants et libre comme l'air. Donc là il n'y a pas d'expert
Alors l'expert arrive après? Peut-être. Là vous allez voir, c'est chaud. C'est très très chaud. Donc là vous avez que la lampe torche sur le guidon du vélo. À peu de choses près. Et là faut être vraiment, vraiment très patient parce que vous découvrez les choses au... Bon voilà, déjà. Là on passe un niveau, enfin, je veux dire. Vous allez m'entendre souffler. Par contre c'est une très bonne lampe. Vraiment. Ah bah oui. Bah oui, mais là. Non voilà, clairement moi je. Le mode nuit je vais l'expérimenter un petit peu. Je pense que je ferai ce mode un peu exploration. Vous avez le checkpoint. Le checkpoint, pardon. Là, par contre, sans faire exprès, on a trouvé un super truc. Ça, c'est pas mal. Donc là, on a un checkpoint. Franchement, si la console était un peu plus puissante, ce serait fantastique. De gentillesse, je suis désolé pour la concentration extrême. J'essaie de ne pas être trop ridicule. Allez, je trouve le jeu vraiment beau, hein. Franchement, le jeu d'ombre et tout. Enfin, la console elle est quand même. Je sais pas ce que je connaisse. Perdu. La console elle gère quand même, hein. Même si elle est obligée de mettre des fruits parce que des fois les paysages sont un petit peu trop généreux. Je trouve que c'est quand même mal parce que ce jeu d'ombre là. Franchement, alors, à mon avis, je me suis trompé de chemin. Ne me dites pas que c'est facile. C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Voilà, un petit stream chill ce soir. Je pense que vous l'avez compris avec l'apparition de Maxime. Et le retour de Mathieu et de moi enfin qui a un peu traîné les pieds pour revenir aux différentes raisons. La chaîne a relancé. On est à fond dans le podcast. C'était pas la bonne direction. Par contre les bruits sont un peu. On va dire que je l'ai bien entendu là. Je sais qui est tombé. Mais voilà. Je ne sais pas où je vais. J'espère que le gars sait plus que moi, parce que moi je ne sais pas où je vais. Oh la haine, je descends tout et je tombe. On va y avoir. C'est un jeu qui est de base. Assez exigeant. Et on continue de l'être avec les heures de jeu et c'était pas la bonne direction. Faut juste perdre de l'heure. Oui, ça c'est le principe de ce vélo, c'est que il encaisse zéro coup. Donc là, des fois on est certainement amené à se. À se dire bon bah c'est bon, j'en ai marre de pas prendre une chute basique. Là ça me fatigue un peu. On arrive vraiment au niveau où c'est peut-être pas la bonne heure. A la base moi je voulais jouer un FPS un peu débile. Et clairement on perd pas au change. Hein. Le jeu est franchement bien. C'est par où là, je comprends pas.
c'est ça le truc un peu chiant là. Alors le mode nuit exacerbe un peu tout, hein, parce que là clairement on ne voit pas grand chose. C'est pour rester poli, je vois pas grand chose, on ne voit rien en fait, à part de... Bon. Je sais pas pourquoi j'essaie d'aller vite, c'est ça aussi un peu le truc du jeu. Là, ok, donc là, c'est le chemin qu'on prend tout le temps. Ok, donc là j'ai un peu trop... J'ai un peu trop le chemin. D'ailleurs, je me suis plaint qu'on arrivait dans la partie un peu tendue. Voilà. Ah, ça risque d'être beau par contre. Non, c'est juste. Voilà. Voilà. Avec un peu de persévérance, on y arrive. J'avoue, je prends zéro risque. J'ai dit hein, que c'était pas le niveau du skill. Alors ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en me disant eh, faut pas que je fasse n'importe quoi. Il se répétita. Et on s'en sort. Franchement, j'ai parlé un tout petit peu trop vite. C'est incroyable. Je veux dire franchement. Je suis assez fier de moi. Hein. Ah non, pas du tout en fait. Ok. Ouais, là les changements de... Ah oh, je suis content. Je pensais qu'il m'en restait un. Ah je suis content. Très très content. Et bah on a réussi quand même quelques trucs. J'ai encore débloqué en live quelques trucs sur Downhill. Non, Lonely Mountains Downhill. Il faut voir. Et donc la pression bascule en débutant. 21 crash au moins. Ah c'est chaud quand même. J'ai pas vu combien de fois j'étais tombé mais 21 crash au moins c'est tendu. Et donc là vous voyez un peu les meilleures notes. Donc le rang 1 c'est Stadalashbia 777 Hypersensivity qui le fait en 1 minute 4. Ah non, la course quotidienne. Et bah allons-y, j'ai jamais fait. Donc le gars, la course qu'on va faire là, il a fait en 1 minute 4. J'ai peur. Mais pourquoi pas? Déjà la course quotidienne se fait de nuit. Alors... Il faut passer par où? A mon avis, j'ai déjà le très mauvais vélo. Ces sons sont horribles. On essaie déjà de la finir, d'accord? Ah ouais d'accord en fait, donc c'est inspiré de la fin de course, mais là normalement on peut aller... Non, 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 non.
quand je disais là faut descendre, tout à l'heure là faut descendre. Là, j'avoue que l'exigence de nuit, elle est... Elle est tombée forcément, mais... D'accord. C'est vraiment de l'analyse de parcours. Hein. C'est chaud. Donc le mec l'a fait en 1 minute 4. C'est-à-dire que là déjà on a plus de temps. Il nous reste deux séances. Deux sessions. Deux sections. Ouais, oh, je fatigue. Le manque n'est pas réglé. Déjà on va la finir. Et ça c'est un. Oh, j'ai cru que j'allais m'écraser. Je suis anéanti. Donc là on est sur une course quotidienne. Le mec l'a fait en 1 minute 4. Là, je suis arrivé au bout de la descente. Arrive au bout de la descente si un jour j'arrive. Non, mais attends, j'y arrivais tout à l'heure là. La prudence. Mentir, j'ai un peu honte et en même temps. Ah non, c'est sûr, j'ai un truc. J'ai un peu honte et en même temps. Ah! C'est vraiment le jeu qu'il faut pas faire en stream si t'es un peu tendu. Mais non, mais. Mais les deux nuits, c'est impossible. Impossible, peut-être pas, mais très dur. Prends le temps quand même de planter. Il s'agirait pas d'être trop exigeant. Alors le joueur prend le temps aussi de planter. On va faire un verre à tous les mecs qui sont plus malins. Je suis à 29 crash. Je sais pas si sur les courses quotidiennes ça. Si je booste pas. Ça c'était pas une petite chute.
comprends le délire de c'est pas marrant à streamer. Hein. Je pensais que c'était plus cool à streamer. J'aurais trouvé ça plus cool à streamer, mais non en fait. Ça. Tant pis. J'ai peut-être quitté le stream avant de le finir. Ouais, on se concentre là, cette fois-ci, c'est bon, je vais partir. Vous faire rire tranquillement, mais là c'est bon. Et donc voilà, c'était un petit stream pour vous montrer un peu ce jeu. Je vais pouvoir en parler au prochain podcast de Minibar. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? On se dit un stream assez vide hein, avec personne dedans. Et ça pour un début c'est pas mal. C'est pas mal de faire ça avec personne. Donc voilà. Les petits essais machins de la nuit truc bidule. On va se dire à très bientôt, on va se remettre un petit fond de musique, on va couper le son du jeu parce que voilà, il n'y a pas besoin de ça. Tac. Comme ça vous pouvez voir un peu le bazar. Là, le bazar qui est là. Ça c'est un secret. C'est un secret, un petit secret. Désolé pour ma coupe de merde. Hein. On se dit à très bientôt. Je coupe. Je vous mets un petit peu de zik pour la fin, pour partir. Et puis on se tient au jus. Hop, un petit peu de musique, un petit peu de calme. Et puis je vous dis à très vite. Je rebascule sur mon écran d'attente pour en faire un écran de revoir. La magie. Tranquille. Regardez. Parce que j'ai absolument pas taffé ces scènes-là. Hop. Et voilà. Oh, c'est beau. C'est incroyable. Incroyable. Je vous dis bonne nuit. Merci d'avoir regardé ce stream de folie et de qualité. Je vous dis à très bientôt. Allez, bonne nuit.